Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Essonne en hauteur. Dans son parallèle de Voltaire et Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre écrit que le public a toujours pris plaisir à faire aller de pair ces deux hommes contemporains et à jamais célèbres. En effet, leurs deux noms résument à eux seuls le XVIIIe siècle et l'esprit des Lumières. Pourtant, cette association n'est pas celle de l'amitié, tant leurs rapports furent antagonistes. C'est précisément la relation complexe entre l'auteur de Candide et celui du contrat social que met en scène le roman du philosophe et journaliste Roger Paul-Droit, intitulé « Monsieur, je ne vous aime point » et publié aux éditions Albin Michel. Tout avait bien commencé pour le jeune Jean-Jacques qui, initié aux œuvres de Voltaire par sa protectrice Madame de Warens, avait éprouvé une admiration sans borne pour l'auteur de la Henriade et des lettres anglaises. Mais progressivement, avec le succès et les œuvres de l'un et de l'autre, un inéluctable antagonisme va poindre. Pour essayer de comprendre les raisons de cette hostilité, nous avons décidé de convier Voltaire chez Rousseau dans sa demeure de Montmorency. Rousseau, décidant de fuir Paris, ville de bruit, de fumée et de boue, s'installe à Montmorency à partir de 1756 et précisément au Mont-Louis le 17 décembre 1757, devenu depuis musée municipal. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité, Roger Paul-Droit, pour essayer de comprendre les raisons de cet antagonisme entre Voltaire et Rousseau. Roger Paul-Droit, bonjour et bienvenue sur le plateau de L'Essonne en hauteur, qui a la chance, une fois de plus, d'être installé dans un lieu à la fois exceptionnel, émouvant, mythique par son occupant, puisque nous sommes dans la maison de Jean-Jacques Rousseau à Montmorency, et que nous vous recevons aujourd'hui pour un livre où il est partiellement question de Jean-Jacques Rousseau, j'en rappelle le titre, « Monsieur, je ne vous aime point » aux éditions Albin Michel. Alors, quand je vous ai contacté, je vous ai dit que nous avions un petit rituel dans notre émission. La première question que nous posons toujours à nos invités est celle de savoir ce qu'ils ressentent, de parler de leur ouvrage dans l'endroit que nous avons choisi et qui ici a une résonance particulière parce que c'est le lieu d'habitation d'un des personnages. Oui, ben je ressens à la fois de l'émotion parce que toujours être dans les lieux qui ont été habités, qui portent encore finalement la trace ou l'atmosphère d'un aussi grand personnage que Jean-Jacques Rousseau, c'est émouvant. Et en plus, cette maison elle-même joue dans son parcours un rôle tout à fait essentiel. C'est un lieu capital et un moment important. Oui, voilà, c'est ça que j'allais vous demander, parce que peut-être peut-on préciser que, d'abord, dans quelles conditions Jean-Jacques Rousseau arrive à Montmorency, et dire aussi que, je crois, je l'ai lu dans votre livre, ce n'est pas la première maison qu'il occupe à Montmorency. Alors d'abord, comment est-ce qu'il arrive ici? Et pourquoi ce n'est pas la première maison? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé dans cette maison-là, qu'on appelle en général le Mont-Louis? Voilà. Alors l'histoire, je vais la faire courte. Là, c'est Madame d'Épinay. Voilà. Qui, lui faisant visiter une des dépendances du château, qui était l'Ermitage, à Montmorency, remarque que Rousseau est ravi de ce lieu et elle décide de l'aménager pour lui. Et donc il habite d'abord à l'Ermitage, mais le lieu devient chargé d'histoires compliquées. C'est là qu'il va rencontrer Madame Doutteau, dont déjà âgé au moins pour l'époque, il a presque la cinquantaine, il tombe amoureux, amoureux fou. Bien sûr. C'est là aussi que se nouent un certain nombre de complots ou de tensions avec Diderot, avec les encyclopédistes. Et finalement, l'atmosphère avec Madame d'Épinay devient électrique, se tend. Il finit par partir et un matin d'hiver, dit-il, il met toutes ses hardes et ses meubles sur un chariot et il va dans cette petite, relativement... Pour nous, elle semble très, avec des tailles très aimables. Oui. Une maison de Mont-Louis qui était plutôt délabrée, qui était pas chère pour lui à louer et où il s'installe avec Thérèse Levasseur, sa compagne, et puis la mère de Thérèse, les deux étant surnommés ensuite les commères ou bien
Et elle, il va ici, dans ce qu'il appelait le donjon, c'est-à-dire un petit appentis à l'extérieur. Que nos spectateurs vont pouvoir découvrir grâce à des images. Et d'où il dit qu'il voit les arbres, qu'il est au calme. Il écrit là, dans un petit lieu, mais ses œuvres essentielles, c'est-à-dire de 1757 à 62, dans ce lieu, en 5 ans, ce sont le contrat social, la nouvelle Héloïse d'abord, ensuite le contrat social et l'Émile. C'est la réponse à Voltaire à son discours sur le désastre de Lisbonne. C'est aussi les œuvres majeures, quoi. Voilà, les grandes œuvres de Rousseau. Et pendant 5 ans, il est presque sans grand conflit, sans grande tension. C'est conflit intérieur, bien sûr, mais il travaille. C'est le moment le plus serein, finalement, le plus productif de toute sa vie. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus émouvant d'être dans ce lieu. Alors, il me semble qu'il y avait aussi une raison supplémentaire. D'abord, je crois que Rousseau était très content de quitter Paris. Il en avait assez de la ville en elle-même. Il ne l'a jamais réellement ébloui, d'une part. Et puis, il y a autre chose qu'on peut évoquer. Je crois que, bon, aujourd'hui, on aurait du mal à reconnaître ça, mais c'était un endroit extrêmement verdoyant. Oui. Et là, c'est le Rousseau qu'on connaît, proche de la nature et qui fait des problèmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans cette maison que Rousseau, excepté peut-être son séjour chez Madame de Varins. Je ne sais pas si vous dites d'ailleurs Madame de Varins ou Madame de Warren, puisqu'il y a des discussions autour de ça. Moi, je dis Madame de Varins. Eh bien, nous allons dire Madame de Varins. Son séjour chez Madame de Varins, est-ce qu'on peut dire que, excepté ce séjour, peut-être c'est ici qu'il a été le plus heureux? Oui, je crois, mais il le dit lui-même. Lui-même, bien sûr. Oui, oui, il dit que sa vie a commencé en avril 56. C'est le moment où il s'installe à l'Ermitage, mais elle continue ici, et elle continue par ses promenades dans les bois. Ce qu'il aime ici, c'est que au bout du jardin, la porte donnait dans la forêt, il était directement dans les bois, et il y a non seulement l'amour qu'a Jean-Jacques pour la nature, mais je crois qu'il faut y ajouter une sorte d'érotisme des sous-bois, si j'ose dire. Oui, il y a lorsqu'il des scènes dans votre livre où on le voit, oui, physiquement. Mais physiquement, c'est-à-dire que lorsqu'il se promène en forêt, il le dit lui-même, et c'est là qu'il invente finalement les personnages de la nouvelle Héloïse. Il voit des nymphes, d'une certaine manière. Il est en quelque sorte habité de présence féminine, d'un érotisme diffus qui est celui de la nature et des bois. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lui, est vital après des années et des années de vie à Paris, dans des lieux où il ne se sentait pas à l'aise, où il se sentait contraint, d'une certaine manière. Il retrouve là sa respiration à la fois intellectuelle et physique. Alors, pour ce début d'émission, et puis c'était bien normal, nous avons beaucoup parlé de Rousseau, nous sommes chez lui, hein, c'est quand même une question de politesse, mais votre ouvrage, hein, laisse un peu planer un mystère avec ce titre-là, « Monsieur, je ne vous aime point », ne traite pas que de Rousseau. C'est la relation avec Voltaire, relation tumultueuse. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ils vont s'en rendre compte rapidement. Il faut donc parler de Voltaire. J'ai souhaité, par votre présence, faire entrer Voltaire chez Rousseau, mais en réalité, Voltaire n'est bien sûr jamais venu ici. Et il y a tout un mystère qui plane sur est-ce que réellement Voltaire n'a jamais rencontré Rousseau? Est-ce qu'il l'a rencontré une fois? Vous faites effectivement le récit d'une très brève et assez insignifiante rencontre. Alors, qu'en est-il? Alors, les historiens en disputent. Personne, je crois, ne sait vraiment. Il se pourrait qu'une rencontre ait eu lieu dans le salon de Madame Dupin ou dans le salon de Madame de Graffigny. Mais c'est une fausse rencontre, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est quelques instants où le jeune musicien suisse... Oui, il n'est rien à ce moment-là. Voilà, le jeune musicien suisse qui est Jean-Jacques est présenté au déjà grand Voltaire, auteur de poèmes et de pièces célèbres déjà dans toute l'Europe, et ils se disent presque rien. Mais on n'est même c'est pas sûr. C'est presque une non-rencontre, même si elle a eu lieu. Voilà. Alors, leur relation, évidemment, est longue, intense, tumultueuse, de plus en plus conflictuelle. Et c'est cela que j'ai d'abord voulu essayer de mettre en scène dans ce roman. C'est comment il commence avec la dissymétrie des âges. Ils ont 18 ans. Voilà, insistez aussi là-dessus. On ne se rend peut-être pas bien compte, parce que parfois on fait une espèce de...
passez-moi l'expression, mais de paquets cadeaux sur les lumières. On a presque l'impression qu'ils couchaient dans la même maison et qu'ils étaient tous des amis, presque qu'ils entonnaient des chansons tous les jours autour d'une table. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passait. Et dans le cas de Rousseau et Voltaire, Voltaire et même bien d'autres philosophes des Lumières, excepté Montesquieu, je parle vraiment des têtes d'affiche, Voltaire est l'ancêtre. Absolument. D'accord. Et il aurait pu être le père de Rousseau, puisqu'ils ont 18 ans de différence. C'est suffisant pour l'époque. Mais c'est suffisant. Et donc, lorsque le jeune Rousseau, à 17 ans, à Annecy, chez Madame de Varins, qui lui fait lire Voltaire, découvre les poèmes de Voltaire, la Henriade, qu'évidemment plus personne ne lit, mais qui était à l'époque extrêmement célèbre, et lorsque ce jeune Voltaire s'enthousiasme, il apprend à lire dans Voltaire. Il dit que c'est en lisant Voltaire qu'il apprend qu'il y a un T à l'imparfait du subjonctif. Donc c'est un pour lui... Un personnage initiatique, voilà, intellectuellement. Oui, mais intellectuellement, affectivement aussi, dans ses poèmes de l'époque, il l'appelle le touchant Voltaire. C'est-à-dire que pour lui, Voltaire, pour lui Rousseau, Voltaire est d'abord un auteur qui parle au cœur, un homme qui éveille l'âme, en quelque sorte un auteur de la vertu. Alors il le voit à travers, déjà même jeune, son propre regard, tandis que Voltaire, évidemment, a 35 ans, quand Rousseau en a 17 et le découvre, il l'ignore totalement. Et Rousseau n'a pas fait grand-chose de toute façon à ce moment-là. Mais il n'a rien fait du tout, et même il ne commencera à apparaître comme un petit jeune débutant dans le regard de Voltaire une bonne quinzaine d'années plus tard, quand il aura passé la trentaine. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, voilà, on nous entend parler très sérieusement, là, pour l'instant, de Voltaire et de Rousseau, et on n'a pas précisé vraiment la forme de votre livre. Je rappelle que vous êtes philosophe, que vous avez enseigné, donc on pourrait attendre de votre part, ce serait vraiment classique, un essai. Or, il n'en est rien, c'est un roman. Alors d'abord, vous allez me dire pourquoi vous avez choisi cette forme du roman. Et une autre question me vient, des personnes un peu renseignées sur Rousseau et Voltaire sauront que, c'était un peu le cas de beaucoup de personnes au XVIIIe, ils avaient un grand mépris pour le roman, pour des raisons différentes d'ailleurs. Donc d'abord, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi de donner à ce livre une forme romanesque, et puis me resituer les opinions de Rousseau et de Voltaire à propos du roman, tout en sachant qu'ils en ont fait chacun. Alors, j'ai voulu écrire un roman, et c'est le premier, alors que j'ai publié une trentaine d'essais, parce que, d'abord, l'époque est extraordinairement romanesque. Leur relation est extraordinairement romanesque, faite d'une découverte réciproque, d'une haine croissante, finalement, d'une sorte d'obsession destructrice de l'un envers l'autre, qu'on a trop estompé souvent ou colmaté. Puis le fonctionnement de la société, parce qu'il est très injuste, on peut le critiquer, mais d'un point de vue romanesque, c'est extraordinaire. Voilà, et puis il y a cette efflorescence de personnages, tout à fait. Il y a Diderot, d'Alembert, les voyages, enfin il y a beaucoup de choses. Des voyages, des soupers, une vie mondaine. L'esprit français. Toute l'Europe aussi, puisqu'on est à un moment à Potsdam, à un autre à Genève, Paris, à Londres, etc. Mais aussi, je crois que j'ajouterai encore ce point, je ne pense pas qu'il y ait pour moi de rupture entre mes essais et ce roman, dans la mesure où le point, si vous voulez, de continuité, pour moi, la ligne directrice, c'est que j'ai toujours voulu incarner les pensées. La philosophie n'est pas du tout, à mes yeux, quelque chose de théorique. De théorique purement. Elle s'enracine toujours dans des affects, dans des émotions, dans des corps, dans des expérimentations vécues. Et essayer de montrer comment ces deux monstres sacrés de la littérature et de la philosophie sont aussi des êtres humains avec leurs maladies, leurs faiblesses, leurs obsessions, leurs craintes, leur enthousiasme, et leur donner corps véritablement, les incarner pour montrer comment ces œuvres majestueuses et si importantes encore aujourd'hui sont finalement issues de deux corps différents qui se combattent, se jaugent à distance,
Mais ça, c'est quelque chose à quoi je tenais et qui est finalement une continuité de l'incarnation de la philosophie dans le corporel. Alors, ça montre que la philosophie a beaucoup évolué depuis le XVIIIe siècle. Je ne parle même pas dans ses conceptions, mais tout simplement dans la réflexion qu'elle a d'elle-même, parce que finalement, les raisons pour lesquelles Rousseau et Voltaire détestent le roman, elles sont à peu près celles inverses. Pourquoi vous l'aimez ? Parce qu'on distinguait quand même, corrigez-moi si je me trompe, beaucoup au XVIIIe. D'abord, il y avait des hiérarchies. Voilà. On mettait beaucoup d'hiérarchies, c'était peut-être un peu hérité d'une perception, je ne sais pas quoi, de l'Antiquité, d'Aristote. Bon. Et on était devenu très prescriptif. Et il y a un peu cette notion de genre sérieux et de genre pas sérieux. Alors, s'il y a bien un genre qui ne semble pas sérieux, c'est le roman. Il n'y a qu'à voir comment Voltaire parlait des siens propres, de couillonnade, de couillonnerie. Il a dit bien d'autres mots, je n'ai pas tout retenu. Et Rousseau, je ne saurais pas dire précisément des mots qu'il a employés pour ça, mais tout le monde sait qu'il n'aimait pas beaucoup le roman. Mais même la Nouvelle Héloïse, il en parle comme d'un texte de femme, comme de quelque chose qui serait... Alors, texte c'est étonnant. Étant finalement une sorte d'énoncé... Oui, c'est très étonnant parce que... Comment est-ce qu'il peut être aussi paradoxal, voire contradictoire ? Parce que je pense, c'est exactement ce que vous venez de dire, il a intériorisé finalement des critères de son époque, une sorte de rhétorique de la prise de distance, et il est en même temps l'auteur, avec la Nouvelle Héloïse, du roman qui sera le plus lu dans toute l'Europe, faut le rappeler, voilà. Toute l'Europe du XVIIIe siècle. Et c'est aussi probablement quelque chose qui irrite fort Voltaire, ça, c'est sûr. Qui en dit pique-pente, mais qui voit ce petit inconnu devenir une célébrité. Et une célébrité dans le domaine de littéraire, où il se croit, lui, Voltaire, le roi. Alors, je pense qu'il y a effectivement cette hiérarchie des genres, mais il ne faut pas oublier qu'elle me semble rhétorique, surtout. Si vous voulez, elle me semble. Puisqu'ils font le contraire de ce qu'ils disent. Voilà, et finalement. Ce que Voltaire appelle ses couillonnades, ses adigues, ses candides... Les œuvres qui restent. Ce sont les œuvres pour lesquelles il a été ensuite le plus connu, et le mépris affiché au moins de Rousseau envers la Nouvelle Héloïse ne l'empêche pas de l'avoir écrite ici, en y passant, je crois, parmi les meilleurs moments de création et de fécondité. Donc nos philosophes ne sont pas exempts de contradictions, ça rend leur psychologie un peu plus complexe, justement. Oui, et puis peut-être y a-t-il aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que philosophe au XVIIIe siècle ne veut pas tout à fait dire la même chose qu'aujourd'hui. Ah. Et surtout, il y a ce que j'appelle, et c'est ça aussi qui m'intéresse, une impureté de la philosophie en ce temps. Si vous voulez, aujourd'hui, être philosophe, c'est faire des travaux théoriques, conceptuels, dans des instituts de recherche, et à l'intérieur, finalement, d'institutions spécialisées. Être philosophe au XVIIIe siècle, c'est aussi écrire des contes, faire des pièces de théâtre, écrire dans les journaux, intervenir sur la scène publique comme intellectuel. Est-ce que même plus simplement, c'est presque ce que vous venez de dire là dans votre dernière réponse, tout simplement avoir une posture, mais pas dans le mauvais sens du mot, une posture par rapport aux événements de la société, ne pas être indifférent par rapport aux événements de la société, et ça suffit déjà. Oui, mais surtout tenter de réfléchir des points de difficulté de son temps, ou d'analyser la réalité sociale, historique du présent, à travers tous les moyens, pas seulement des concepts, mais aussi des récits, des pièces de théâtre, des libelles, des pamphlets. Parce qu'il s'agit aussi de toucher, certainement, le lectorat, la population, le plus largement possible. Et qu'on sait que si on ne produit que des livres de philosophie pure, on va réduire automatiquement l'audience. Oui, et puis aussi, alors je ne veux pas faire un excursus, mais je crois que cette impureté de la philosophie, elle est déjà chez Platon. Avec les mythes. Platon est à la fois un auteur de mythes, un auteur de concepts, un raconteur d'histoires, un dramaturge, un polémiste, etc. Et un homme politique aussi. Donc il y a cette forme d'impureté qui se retrouve aussi chez Sartre ou chez Camus et chez des tas d'autres, contrevient à une forme de ghettoisation de la philosophie, qui est plutôt son entrée dans l'université allemande depuis la fin du XVIIIe siècle et sa transformation en discipline universitaire. Voilà. Mais, qui l'a un peu austérisé. Voilà. Mais c'était quand même intéressant de faire cette mise au point. Alors écoutez, là je vais vous poser une question de cuisine plus.
C'est-à-dire que, donc, en ayant fait le choix de faire un roman pour les évoquer et d'évoquer des grands moments de leur vie, car c'est réellement un roman, hein, on peut le lire à plusieurs niveaux, on peut le lire pour les réflexions qui dégagent, mais on peut le lire tout simplement pour lire la vie de Rousseau et de Voltaire avec le plaisir de lire un livre sur le XVIIIe siècle. Comment fait-on ? En plus, vous me dites que c'est votre premier roman. Comment fait-on pour texturer, donner corps, donner chair à ces personnages mythiques, impalpables, lointains pour nous ? Je n'ai pas vraiment de réponse, je vous avoue. Et comment vous y êtes mis ? Comment je m'y suis mis ? Ben, si vous voulez, ce qui m'intéresse toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'incarnation des personnages. Alors, j'ai eu le sentiment de voir les halluciner, finalement. Les rêver comme si... Vous avez une vision, comme des s'ils visions. Étaient là, comme s'ils étaient présents, c'est-à-dire que c'est le rapport au corps, si vous voulez. Il y a une grande différence. Et ce que j'ai pu éprouver, c'est que j'ai eu plus de mal à sortir de ce livre... Que pour mes essais. Oui. Non, mais quand j'ai terminé un essai, je n'y pense plus beaucoup. Je n'ai pas de difficulté à retrouver, à retrouver le quotidien. Là, à la fin de deux années passées à flairer, si j'ose dire, au jour le jour, Rousseau et Voltaire, eh bien, j'ai eu plutôt l'impression d'avoir... À revenir de voyage, j'ai eu l'impression d'être en jet lag, si vous voulez. Écoutez, moi, je vais citer deux exemples, mais il y en aurait plein dans le livre, c'est presque tout le livre qui est comme ça. On connaît souvent des épisodes, entre guillemets, mythiques de la vie de ces deux auteurs, mais on les connaît, voilà, par quelques traits. Bon, je prends deux choses. On sait quand même que la femme, le personnage d'Émilie du Châtelet, qui était vraiment une femme elle aussi, quand vous dites qu'il y avait des personnages extraordinaires à cette époque, ça c'est sûr. Émilie du Châtelet, qui a été quand même le grand amour, la grande maîtresse, l'initiatrice, enfin qui a occupé une place considérable dans la vie de Voltaire. Elle est morte après avoir accouché d'une façon qui a laissé Voltaire sur le carreau pendant un bout de temps tout de même. On le sait ça, moi je ne connais pas, je n'ai jamais lu spécialement de récit là-dessus. Et là par exemple, vous décrivez bien la scène depuis le moment où on l'annonce, les symptômes qui ont précédé sa mort, qu'est-ce que Voltaire a comme réaction immédiate. Là on le voit ça. Et puis Rousseau, alors c'est encore plus frappant, tout le monde connaît cet épisode qu'on appelle l'illumination de Vincennes, c'est-à-dire beaucoup de choses à la fois le fait que bien il sent une foudre le faire devenir philosophe quasiment, lui donner presque la réponse à une question de concours, mais moi voilà, j'appelle ça l'illumination de Vincennes et ça en reste à l'état d'une idée. Et vous, vous l'avez mis en scène, alors ? Si vous voulez, parce que, d'abord, je me suis documenté. Oui. Tout est vrai, à peu près dans les moindres détails, dans ce roman. Et le travail, après, du romancier ou de l'écrivain, consistait pour moi, à partir de tous ces détails, à essayer de reconstituer les décors, les paysages, et puis d'en faire un récit. Et on a, en ce qui concerne la mort d'Émilie du Châtelet et le désespoir profond de Voltaire se cognant le front sur... Ah, tout ça, c'est pas inventé. C'est pas inventé. L'automutilation que vous décrivez, c'est... le récit de Longchamp, d'accord, qui était à ce son moment-là... Son secrétaire, qui était plutôt un homme à tout faire, si vous voulez, qui avait été au service d'Émilie, puis ensuite de Voltaire, qui a publié des mémoires. Et il faut aller chercher dans les mémoires de Longchamp comment, apportant de l'orgeat, et de voilà, la glace à Émilie du Châtelet, oui, qu'elle a demandé dans son retour de couche 10 jours après son accouchement, il lui apporte, les médecins ont pourtant dit non, elle insiste, il obéit, elle en tombe malade, elle finit, rein, dit-on, elle en meurt, et Longchamp a donné tout le récit du désespoir de Voltaire. On a aussi d'autres... Enfin bref. On parle des textes. Je parle des textes et je... Et on brode. Et on brode, ou en tout cas, on essaye de, d'entrer avec ses propres tripes aussi dans l'histoire et la patte humaine de cette histoire. Et Voltaire, effectivement, c'est la seule femme qu'il ait jamais véritablement aimée. Il y avait de quoi ? Oui, parce que c'est... Alors, il l'appelait Pompon Newton, comme vous bon, savez. Oui, bien sûr. Parce qu'elle... Il donnait beaucoup de surnoms à beaucoup de personnes. Oui, mais parce qu'elle aimait les robes à pompons et qu'elle traduisait, comme chacun sait, Newton en français. Très bien. Alors, on va faire quelques rappels sur la vie de Voltaire et Rousseau, plutôt un petit peu sur le milieu social. Mais avant ça, je voudrais vous poser la question suivante. Voilà, on les
voit comme la figure de philosophe des Lumières. Et bon, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, souvent je trouve qu'on présente les Lumières voilà, comme une espèce de paquet tout fait. D'abord, il y a ce pluriel qui est vrai dans toutes les langues où le mot est traduit, les Lumières. Alors qu'en fait, ça se décline par plein de nuances, par des opinions extrêmement divergentes. N'oublions pas qu'on va parler d'un conflit entre des hommes, et ça compte, les divergences de vues. Qu'est-ce que c'est exactement les Lumières, sans nous raconter toute l'histoire, mais qu'est-ce que c'est un petit peu les Lumières au début du XVIIIe siècle? Qu'est-ce que c'est? Difficile de répondre en trois phrases, si vous voulez. On peut distinguer le siècle des Lumières, et on se dit, voilà, ben c'est le 18e, en gros, et c'est derrière nous, c'est une période de l'histoire, et c'est tout. Ou bien on parle de la philosophie des Lumières. Et là, à ce moment-là, ça n'est plus une période, ça peut être absolument actuel, et ça devient un des système idées, de pensée. D'accord. En très gros, le fil directeur et le point commun, malgré toutes les divergences, les tensions entre eux, c'est la primauté de la raison sur l'autorité, la tradition, la révélation même. C'est cette idée philosophique profondément que tout doit être jugé à l'aune de la raison humaine et qu'une coutume déraisonnable n'est pas garantie par son ancienneté, qu'un pouvoir absolu n'est pas garanti par une croyance sur sa légitimité, dès lors qu'il apparaît comme illégitime ou déraisonnable aux yeux humains. Voilà, ça c'est le point commun. Est-ce qu'on pourrait dire alors tout bêtement qu'on a un ensemble d'hommes, d'ailleurs dont on connaît le nom que des têtes d'affiche, mais il y a beaucoup plus de philosophes des Lumières que les fameux quatre noms qu'on cite toujours, que ce sont des personnes avec de grandes divergences d'idées sur les choses, mais qui ont une communauté d'opinion sur les moyens et le but à atteindre. Oui, et surtout, je pense qu'ils ont en commun quelque chose qui est de l'autre face de la rationalité, qui est l'universel. Je crois que le point commun de tous ces penseurs, c'est finalement de vouloir soumettre à la raison la totalité de la vie humaine et des institutions pour aboutir à des solutions qui seraient valables en tout temps, tout lieu. Alors, cela n'empêche pas qu'il y a entre eux des divergences extrêmes, des tensions qui ne sont pas nécessairement des fractures, mais il faut penser les Lumières comme un champ de force où, notamment, Rousseau d'un côté et Voltaire de l'autre sont comme deux faces, deux tensions qui traversent finalement le XVIIIe siècle. D'accord. Alors, je vous demandais ensuite de les situer un petit peu socialement parce que ce sera peut-être aussi une des explications de l'antagonisme qui a persisté jusqu'à la fin de leur vie. Rousseau et Voltaire, Voltaire et Rousseau, dans l'ordre chronologique, ne partent pas exactement avec les mêmes cartes en main. Quelles sont les cartes en main de Voltaire? Quelles sont les cartes en main de Rousseau? Alors on pourrait dire, pour faire contemporain et très vite, Voltaire France d'en haut, Rousseau France d'en bas. D'accord. Ce serait simple. Suisse d'en bas. Suisse d'en bas, c'est ça. Eh bien, Voltaire naît dans un milieu bourgeois. Aisé, pas tant, c'est pas un grand aristocrate, c'est pas des grandes fortunes, mais c'est de la noblesse de robe, enfin des familles de juristes. Et il fait de bonnes études chez les jésuites. Il est extraordinairement doué pour la versification, c'est un auteur de rapide et pertinent, fulgurant. Le petit Rousseau, c'est tout à fait autre chose. Alors, ils ont comme point commun d'avoir été orphelin de mère l'un et l'autre. On va y venir plus tard à leur point commun. Alors, très bien. Les Rousseau, c'est beaucoup plus difficile. Mais Rousseau, fils d'artisan, orphelin de sa mère, élevé par son père, mais de façon parfois un peu chaotique, apprenti très jeune. Alors, il a cette singularité d'être une sorte de sauvageon. Un picarot. Oui, il fugue, il fait des bêtises, il suit un peu ceux qui l'entraînent dans toutes sortes d'aventures rocambolesques, mais en même temps, il a de façon très précoce une culture réelle. Son père, sur son établi d'horloger,
avait Plutarque. Il lui apprend très très tôt dans le texte et sans avoir fait d'études de latin. Rousseau comprend très très vite le fonctionnement du latin et peut lire dans le texte, comme ça étonnerait des élèves aujourd'hui, peut lire dans le texte Plutarque très jeune. Et puis, il c'est un surdoué. C'est un surdoué. On parlerait d'un enfant précoce aujourd'hui. Oui, mais d'un curieux mélange, justement, que Madame de Varens découvre quand il a 17 ans, lui, Rousseau, avec surprise, de quelqu'un d'extraordinairement fantasque, finalement, et indiscipliné, nous dirions presque incivil aujourd'hui, qui en même temps connaît des pans entiers de bibliothèque avec exactitude, avec une précision. Sorte de personnalité un petit peu contradictoire déjà. Oui, bien sûr, avec une sorte de culture savante qui ne correspond ni à son âge ni à sa vie. Et il y a un aspect autodidacte permanent chez Rousseau qui acquiert une culture tout à fait fantastique. Qui a toute facilité à apprendre. Hein. Aussi bien dans les sciences que dans l'histoire et le droit, mais par lui-même et sans être formaté, comme nous dirions, par le moule des disciplines universitaires. Dans votre livre, on apprend que Rousseau, c'est pour ça que je parlais de lui comme un Picaro, une espèce de modèle qui a fait Flores dans le roman du 18e, a exercé un nombre de métiers absolument improbables. Est-ce que comme ça, très rapidement, à la cantonade, vous pouvez nous citer, parce qu'ils sont dans le livre, quelques métiers, on n'imaginerait pas je veux dire, aujourd'hui, c'est un modèle à l'école, Rousseau, pour nous, c'est un espèce de dieu. Et il a eu des métiers absolument ordinaires, ne serait-ce que la façon dont il a quitté Genève, c'est pareil, c'est un début d'un roman d'aventure. Oui, tout à fait. Donnez-nous comme ça deux, trois choses très précises qui sont dans votre livre, où on voit un Rousseau, on a du mal, un enfant ne ferait même pas ça aujourd'hui. Il a été apprenti horloger, il a été greffier, il a été tailleur, il est... Ensuite, et comment quitte-t-il Genève, parce que, étant parti se promener dans la campagne... Hors de l'enceinte. Voilà, la ville de Genève ferme ses remparts à 16h30, et les portes sont closes et on ne peut plus rentrer. Évidemment, il arrive en retard. Une première fois, il dort tout simplement dans un champ, et puis, quelque temps après, il refait la même chose, il en a marre, il trouve porte close, il se dit « je m'en vais, je ne retournerai pas au 18e chez siècle, mon apprenti ». Où il n'y a rien sur la route, quasiment. Oui, mais c'est cette forme, si vous voulez, de liberté des adolescents était aussi conforme à certaines classes sociales. Il n'est plus du tout chez son père, il a été placé dans sa famille, il est élevé un peu de bric et de broc, et finalement, il décide de prendre sa liberté, se retrouve chez un prêtre catholique, dont la fonction est de recueillir de jeunes protestants transfuges et de les convertir. Il accepte de se convertir au catholicisme, et il est ensuite hébergé par Madame de Varens. Et là... Voilà, mais je crois qu'il passe à un moment donné à Turin, bien dans sûr. Un séminaire, une autre fois un peu plus tard. Mais quand il aura un peu de succès, le voilà maintenant à Venise, comme secrétaire d'ambassadeur de Montaigu. Oui. Il a été laquais à Turin, il a fait énormément de... Et puis ensuite, lorsqu'il décide, après cette illumination de 1749 à Vincennes, de changer de vie, il deviendra copiste de musique. On oublie aussi que Rousseau était musicien et que pour ses contemporains, c'est d'abord un musicien. Il donne des leçons de musique, il est lui-même compositeur, il imagine au début de voir... Un système de notes. Un système pour noter la musique. Chiffré. Il vient à Paris le présenter à l'Académie, ça n'a pas de succès. Il se rêve compositeur à succès. Il dit « la musique, c'est le Pérou » dans les confessions, c'est-à-dire « je vais enfin gagner non seulement de la notoriété, mais de l'argent » avec mes compositions, ça ne marche pas, mais il sera ensuite copiste de musique. Et c'est Diderot qui l'engagera dans le concours de l'Académie de Dijon. Oui, mais non, dans l'entreprise de l'encyclopédie pour écrire les articles musique d'accord. de l'encyclopédie. C'est-à-dire que Rousseau est un jeune Suisse
musicien qui monte à Paris pour essayer de réussir dans la capitale en donnant des leçons de musique et en vendant ses mélodies. Et qui va être dévoyé. Mais enfin, écoutez, on pourrait passer sur la seule vie de Rousseau. Ah, il y aurait une série à faire. Ce n'est même pas un film, ce serait une série. Alors, allez, la parité maintenant. On va revenir à Voltaire. Et finalement, puisqu'on parlait des œuvres de Rousseau, mais on va parler de celle de Voltaire. L'expérience que permet votre livre, c'est de découvrir ou redécouvrir que là aussi, nous avons une préhension de l'œuvre de Voltaire qui ne correspond pas bien à la réalité. Pour la plupart des gens, les œuvres de Voltaire, ce sont ses contes philosophiques parce que ce sont eux, et pratiquement uniquement eux, qu'on étudie dans le secondaire, au collège, bon voilà. Donc les Candides, Zadig, Candide, l'ingénu, etc. Or, d'abord, Voltaire peut être traité largement, vous le dites, je crois d'ailleurs, de graphomane, un homme qui ne cesse d'écrire en tout genre et dont les œuvres les plus connues au XVIIIe siècle ne sont pas du tout les œuvres que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, il est principalement, comme Rousseau se croyait musicien, lui se croit surtout un dramaturge. L'œuvre de Voltaire au XVIIIe, différente de la nôtre. Ah, parfaitement. C'est Paul Valéry, je crois, qui disait que si Voltaire était mort à 60 ans, nous l'aurions pratiquement oublié, parce que c'est à partir de 63 ans qu'il se lance dans l'affaire Calas, qu'il invente cette figure nouvelle de l'intellectuel qui prend l'écrivain engagé. Partie, l'écrivain engagé, qu'il écrit le traité de la tolérance, qui est redevenu... dont on cite beaucoup le titre sans savoir ce qu'il y a réellement dans le livre. Hein. On le cite à tout propos, et on lui fait dire souvent autre chose que ce qu'il dit, mais bon... Certes, mais en tout cas, si vous voulez, c'est ça notre image de Voltaire, c'est l'homme de la tolérance, des combats pour la liberté et la justice, et puis les contes philosophiques. Alors que pour ses contemporains et pour lui-même, c'est d'abord un dramaturge, un versificateur qui a fait des tas de poèmes et de mises en vers de textes, mais surtout un dramaturge, il a été rendu célèbre par Œdipe, il ne cesse de vivre pour le théâtre avec des actrices de nombreuses d'entre elles sont ses maîtresses, et aussi... La Clairon, etc. Voilà, alors il y a Adrienne le Couvreur, il y a la Clairon, il y a toutes sortes de figures d'actrices, mais véritablement il construit un théâtre dans... il en fait déjà avec Émilie du Châtelet au château de Cirey, il en fait également à Genève, il fera un théâtre à Ferney, et il monte lui-même sur scène et il se vit d'abord comme un auteur dramatique. Alors qu'évidemment, nous avons tout à fait oublié ces tragédies qui, pour la plupart, à notre goût, à nous, semblent démodées, ou n'apportant pas grand-chose à côté de... Peut-être c'est ça son drame, c'est qu'elles n'ont peut-être pas dépassé, étaient tellement novatrices par rapport aux tragédies de Racine, alors n'apportant rien de plus. Alors, elles apportent quand même un point, me semble-t-il, c'est quelque chose d'interculturel. Très souvent... Voltaire situe certaines de ses tragédies hors de la Grèce et de du monde latin. Par exemple au Pérou, en Chine, et il montre finalement que ça soit chez les Aztèques ou les Mongols, il y a des conflits semblables à ceux de Racine et de Corneille, entre le devoir et le sentiment, des princesses cultivées. Enfin, c'est cette idée... C'est l'universalité, comme vous l'avez dit. Ces gens-là ne sont pas des barbares, ça c'est vraiment un point qui est différent, je crois, et apporté par Voltaire. Très bien. Alors là, donc, on a parlé de Voltaire et de Rousseau, chacun dans son camp, et il faut en arriver aux hostilités. Comment est-ce possible que ces deux hommes, voilà, au profil exceptionnel, chacun un peu dans son genre, virgule en apparence, vont d'abord être amenés plus ou moins à se connaître, mais à se connaître par haine interposée. D'abord, bon, allez, on va donner la solution tout de suite pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre. Qui dit « Monsieur, je ne vous aime point » Eh bien, c'est Rousseau qui écrit cela à Voltaire en 1760, après avoir... admirer Voltaire, après avoir voulu finalement le rencontrer par admiration. Il lui écrit « Monsieur, il y a 15 ans que je travaille à me rendre digne de vous rencontrer », écrit Rousseau à Voltaire. Il l'admirait tellement. Et puis, ils ont, je crois, et c'est ça
le point qui va de plus en plus les opposer, chacun avoir le sentiment que l'autre a trahi. Et Rousseau pense finalement de plus en plus que Voltaire trahit ce Voltaire touchant, vertueux, parlant au cœur qu'il avait imaginé quand il est jeune. Il découvre n'est un pas Voltaire, exactement l'homme qu'il avait imaginé. Il découvre un Voltaire mondain, manipulateur, qui aime l'argent, rusé, qui aime énormément l'argent, qui mène une vie de château, qui fait l'apologie du luxe. Et rien de tout ça, évidemment, ne lui correspond. Et le grand point de conflit aussi, c'est Genève. Genève où Rousseau... Alors, on va y venir dans le détail. Oui. Bon, mais enfin, on voit le conflit s'allumer. Alors, je vais vous suggérer des pistes. Parce qu'avec votre livre, qui est justement chronologique, on peut comme ça repérer les grandes étapes. Mmh. Ça ne s'est pas fait en une fois. Ça s'est fait par d'abord petites touches, puis après c'est devenu vraiment acrimonieux. Et moi, il y a la première touche, celle vraiment qui est un peu psychologique. Moi, je l'ai découverte, hein, j'avoue. À savoir que tout simplement, le nom de Rousseau lui-même, Voltaire a été conditionné par une série d'événements pour que le nom de Rousseau lui soit désagréable. Là, il n'a pas de responsabilité là-dedans. Quels ont été ces événements en cascade qui ont fait que le nom de Rousseau lui est déjà déplaisant à la base? Deux principaux, c'est-à-dire qu'avant effectivement de rencontrer Jean-Jacques, il a une sorte de prévention et même de dégoût, oui, du seul nom de Rousseau à cause des relations compliquées de Voltaire avec Jean-Baptiste, voilà, Rousseau, poète que nous avons oublié, largement oublié, mais que Voltaire a non seulement beaucoup lu, qui était enseigné par ses maîtres jésuites, c'est un sceptique, qui finalement montre que le pour et le contre de l'existence ou de l'inexistence de Dieu se balancent, qui est un peu, comment dirais-je, aux limites de la provocation et de la libre pensée, mais avec qui Voltaire a eu ensuite, à Bruxelles, des altercations, des différends profonds. Bref, il se déteste. Il écrira, Voltaire, en 1758, une biographie sur la vie de Jean-Baptiste Rousseau, qui est un vitriol absolu. C'est une figure, si vous voulez, de la vilainie totale et de l'abjection littéraire à ses yeux. Et du coup, le nom de Rousseau, pour lui, est tout à fait honni. Et il y en a un deuxième qui arrive. Une deuxième fois, il y a un autre Rousseau, Pierre Rousseau, qui, dans une représentation théâtrale, perturbe le spectacle, juste simplement, nous dirions aujourd'hui, pour faire le buzz, c'est-à-dire c'est un petit Toulousain qui veut se faire un nom à Paris, qui a publié deux, trois pièces relativement médiocres et qui vient perturber une représentation. Il fait des commentaires à haute voix. Voilà, et Voltaire et lui ont une altercation dont nous avons le récit par Madame de Graffigny et ils se... À la limite d'en venir aux mains, des noms d'oiseaux, enfin voilà, exactement. Voltaire part très contrarié. Et du coup, Rousseau, le nôtre, Jean-Jacques, ouais, écrit à Voltaire... Une lettre d'excuse, presque. Oui, et d'explication. C'est la première lettre qu'il signe, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, où il explique, c'est pas lui, à Voltaire que ce Rousseau avec lequel il a eu une altercation, c'est pas lui, Jean-Jacques. Ils se sont connus, écrit autrefois au sujet de travaux que faisait Rousseau, et il veut lever le malentendu et qu'on ne croit pas que c'est de lui qu'il s'agit. Très bien. Alors ça, c'est déjà un petit peu le début de la chose. C'est d'ailleurs un peu romanesque parce que ça ne tient ni à l'un ni à l'autre. C'est un peu des hasards qui se répètent, mais c'est quand même assez étonnant. Jamais 203, le troisième sera quand même bien Jean-Jacques Rousseau. La seconde chose, bon, on a parlé tout à l'heure de la différence d'âge et de milieu social. Et vous venez d'expliquer que voilà, Rousseau ne peut pas vraiment adhérer. C'est complètement contraire à toutes ses conceptions, ce mode de vie sous pérégence, quoi, un petit peu de Voltaire, ce luxe. Bon, n'insistons pas là-dessus. Mais peut-être la troisième chose, c'est que dès lors que Rousseau va être connu, et alors que ce n'était peut-être pas son intention au début, on a un peu l'impression que toutes les œuvres qu'il va produire sont quand même toujours en contre-pied, à contre-pied, de celles de Voltaire. Ainsi, cette dissertation qu'il fait à la réponse de l'Académie de Dijon, elle est une critique au vitriol du luxe.
Or, on sait qu'en 1736, je vais reciter le texte parce que voilà, Voltaire a écrit un poème qui prend la défense un petit peu du luxe, à la suite, je crois quand même, enfin, qui n'est pas sans rapport avec les abeilles de Mandeville, c'est-à-dire qu'il voit aussi le luxe comme un ferment économique. Hein. Et voilà ce qu'il dit, « J'aime le luxe et même la mollesse, tous les plaisirs et les arts de toute espèce, la propreté, le goût, les ornements. » Tout honnête homme a de tels sentiments, il est bien doux pour mon cœur très immonde de voir ici l'abondance à la ronde, mère des arts et des heureux travaux, nous apporter de sa source féconde et des besoins et des plaisirs nouveaux. Et Rousseau, qui gagne une énorme célébrité par sa réponse, dit exactement le contraire. Voilà, enfin, donc est-ce que là, les œuvres de Rousseau jouent aussi un rôle dans cette. Bien sûr! Bien sûr, le point de clivage central, en tout cas à ce moment-là entre eux, c'est finalement la question du progrès. Pour Voltaire, c'est net dans Le Mondain, où il explique que finalement Adam et Ève avaient les ongles sales. Ils étaient à quatre pattes en train de grogner. Quoi. Voilà, eh bien, c'est par la technique, le commerce, le progrès, la mondialisation dans nos termes d'aujourd'hui, que le libéralisme. Et le libéralisme, effectivement, que l'humanité sort de la de l'animalité, de la bassesse. De l'animal, progresse, et progresse dans le confort, dans le luxe, mais aussi moralement. Alors que pour Rousseau, comme chacun sait, ce progrès est au contraire une forme de dégradation, est une corruption, et le générateur non seulement de l'hypocrisie, du vice et aussi de la détérioration des relations humaines. Et donc là, ils sont véritablement sur deux planètes différentes, l'un faisant l'éloge par exemple des carrosses, c'est Voltaire, et Rousseau de la marche à pied, de son côté. Il y a deux, je crois qu'il y a vraiment deux visions, non seulement des Lumières, mais du monde, de l'humanité, de la marche, des progrès, de la bénévolence, si j'ose dire, ou de la malfaisance des techniques, et ils sont, de ce point de vue-là, sur des planètes distinctes, qui vont les opposer de plus en plus fort. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on n'atteint pas avec, d'un côté, la lettre sur l'espèce, vraiment l'œuvre ultime qui met le feu aux poudres, du côté de Rousseau, c'est la lettre sur les spectacles. Mmh. Vous allez rappeler en quoi consiste cette lettre sur les spectacles et pourquoi elle gêne tant Voltaire. Et Voltaire qui se venge en démolissant vraiment, enfin, vous employez des mots, on dira quel mot il emploie exactement, parce que pareil, on a une espèce de respect maintenant pour quand même la nouvelle Héloïse. Alors lui, il en parle vraiment comme pas grand-chose. Est-ce que ce sont vraiment ces deux œuvres-là qui ont fini de mettre le feu aux poudres, pardon, entre oui. Voltaire et Rousseau. Alors, d'abord, la lettre sur les spectacles. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Eh bien, c'est une réponse de Jean-Jacques Rousseau à l'article Genève de l'Encyclopédie qui était écrit par D'Alembert. D'Alembert était venu chez Voltaire. Il était resté trois bonnes semaines, avait rencontré à Genève tous les pasteurs, entre guillemets, philosophes, c'est-à-dire cette frange des protestants genevois qui étaient des esprits éclairés, qui défendaient la liberté d'expression, même la critique de la religion. Et l'idée de Voltaire et de D'Alembert, dans cet article Genève de l'Encyclopédie, mais même dans tous leurs textes, c'est d'une certaine manière de faire basculer une large part du protestantisme du côté de l'encyclopédie, de la philosophie, du combat contre l'infâme et les Lumières. Et il y a une influence, et bien évidemment, cette influence passe chez Voltaire à Genève par le théâtre. Il a son théâtre, il y a... Alors que les spectacles... Un lieu de propagande, enfin c'est un depuis moyen de Calvin, propagande. Les spectacles sont formellement interdits. Mais réellement tolérés. Et du coup, Rousseau porte le fer dans cette plaie en rappelant comment le théâtre est corrupteur, que l'on croit depuis Aristote qu'il purge l'âme alors qu'en fait, pour lui, il anime de mauvaises passions, et il défend, très étrangement par rapport à son temps, l'idée que le théâtre est nocif, qu'il faut interdire les spectacles et que les Genevois et les vieux protestants ont raison dans cette interdiction. Et là, c'est évidemment... Ça ne peut que toucher Voltaire. Voilà, c'est s'opposer de façon frontale à Voltaire en lui
Homme de théâtre au XVIIIe siècle. Voilà, et en le barrant dans sa politique personnelle à Genève, en condamnant tout ce qu'il fait, et là, véritablement, ils sont en rupture totale. Alors maintenant, la réponse du berger à la bergère, la réponse de Voltaire à Rousseau sur la nouvelle Héloïse, dont d'ailleurs le musée présente un tableau magnifique, on verra ça dans nos illustrations. Bon, la nouvelle Héloïse reste, comme vous l'avez dit, hein, le roman le plus vendu du XVIIIe siècle. Alors Voltaire, lui, ne lui trouve aucune qualité, en parle comme Il en parle comme finalement l'histoire d'un précepteur qui engrosse son élève et qui l'a séduit, comme finalement une sorte de... De guimauve mal écrite, pleine de fautes de français. Il relève les fautes. D'incorrection, voilà, il se fait... Voltaire est académicien, n'oublions pas. Voilà, mais prof mesquin, c'est si ça. Vous voulez, voilà. Et même certains de ses amis, par exemple d'Alembert, est presque choqué de la vulgarité d'un certain nombre des critiques de Voltaire envers la nouvelle Héloïse. Quand il n'écrit pas, il fait son propre... Enfin, c'est assez compliqué, mais il fait presque son propre nègre, parce qu'il écrit un texte contre Rousseau, mais qu'il prête à quelqu'un d'autre pour dire que c'est lui qui a reçu le texte de l'autre, et oui. Qu'il s'appelle « Critique de la nouvelle Héloïse à Monsieur de Voltaire », je ne sais plus exactement. Par Jiménez, oui. Voilà, oui. Par Jiménez, bon. Voilà. qui est un personnage qui existe, vraiment. Oui, bien sûr. Qui avait été un des amants de Madame Denis, la nièce de Voltaire. La nièce de Voltaire, voilà. En tout cas, si vous voulez, ça tout se termine entre eux dans une sorte d'obsession destructrice. C'est ça qui est frappant et qui a souvent été colmaté. En quelque sorte, au bout d'un moment, la haine devient telle que chacun va vouloir faire à l'autre ce qui lui fera le plus mal. On voit Rousseau finalement éventer un pseudonyme de Voltaire d'un texte très antichrétien qu'il avait voulu dissimuler. Et ça, il n'y a rien qui ne peut faire plus peur à Voltaire, qui a déjà été embastillé, qui a dû fuir à Londres. Toutes sortes de nuits, oui. Voilà, et qui même installé très confortablement à Ferney avec sa fortune, avec toutes les relations de pouvoir avec toutes les cours d'Europe, a encore extrêmement peur, il dit on va nous enfumer dans notre terrier, a peur que cette dénonciation n'aboutisse à son arrestation, sa déchéance. Donc, et Voltaire, lui, sait faire mal à Rousseau aussi. Voilà. Je crois que quand il y a eu l'épisode d'Émile, rappelons que Émile est le traité d'éducation tout à fait novateur, tout à fait, enfin un livre assez étonnant, avec lequel on peut être plus d'une fois en désaccord, mais qui est un livre tellement unique, tellement particulier, et qu'évidemment, Voltaire est allé un peu fouiller dans les poubelles de la vie privée de Rousseau, peut-être pas tout seul, peut-être Diderot n'était pas loin du complot, pour répandre dans Paris que c'était un vieux salaud et qu'il avait abandonné ses enfants. Et je crois qu'il y a même un pamphlet où on le tutoie et on lui dit « Mais comment tu peux écrire sur comment élever les enfants quand on sait ce que tu as fait des tiens ?» Oui, c'est effectivement Voltaire qui balance, si je puis dire, l'abandon par Rousseau de ses 5 enfants. Et il utiliserait un tweet aujourd'hui. Oui, mais il y a là quelque chose dont aussitôt Rousseau comprend, non seulement que ça va être attaché à son nom pour toute la vie qui lui reste. La preuve, nous en parlons. Mais que, voilà, les générations et les siècles à venir. Et c'est pour ça, dit-on, et je pense que c'est vrai, qu'il commencera à écrire les confessions qui ne sont publiés qu'après sa mort, mais Rousseau écrit les confessions en quelque sorte pour justifier pourquoi. Chez Rousseau, la culpabilité est toujours d'une certaine manière... Génératrice d'une œuvre. Oui, mais même mise sur le dos des autres. Il commence à dire à Madame Dupin de Franqueuil, qui est la première à lui parler de cela, bien avant que Voltaire ne diffuse, c'est vous les riches qui m'avaient forcé d'abandonner mes enfants. Et là, il a l'idée que finalement, il est coupable, oui, mais c'est les circonstances, c'est les autres, c'est la société qui l'a conduit à cette triste décision. Bon, alors on vient de voir comment deux figures tutélaires se sont étripées, hein, verbalement, mais je pense qu'elles se sont fait assez mal l'une l'autre. Et quand même, quand on lit aussi votre livre, on trouve que c'est une hostilité paradoxale. Parce que, si maintenant on regarde calmement qui était Rousseau et qui était Voltaire, ils avaient plein de points communs,
jusque dans des choses assez intimes. Alors tout à l'heure, vous avez amorcé le fait de dire que tous les deux étaient effectivement orphelins. Est-ce que vous voulez expliquer ça de mère et que ça a forcément pesé sur leur vie? Bien sûr. Voltaire a perdu sa mère quand il avait 6 ans. Rousseau quand il avait une dizaine de jours. Donc il y a une absence complète chez Jean-Jacques de la figure maternelle. Il sera élevé par son père. Et je pense que ça... on pourrait finalement réinterpréter toute sa relation à Madame de Varins et aux femmes maman. En général. Oui. Et comme à Même travers, Thérèse. Voilà, à travers cette maternité qui a été absente. Et quant à Voltaire, il n'en parle jamais, mais il a toute sa vie jusqu'au patriarche de Ferney le portrait de sa mère sur son bureau. C'est une voilà. blessure jusqu'à la fin. Comme quelque chose qui sera pour lui une nostalgie permanente. Et ce qu'on ne sait pas, je crois, ou qu'on n'a pas assez remarqué, c'est que le très vieux Voltaire appelle sa nièce avec qui il vit, Madame Denis, maman. Elle aussi. Elle aussi. Elle devient maman tout à la fin de sa vie. Donc ils ont des mamans de. S'intéresser à eux. Évidemment, oui, ils sont des mamans de substitution, faute d'avoir eu une vraie mère. Alors la deuxième chose, bon après c'est sur le plan du caractère, ce sont quand même deux hypersensibles, deux ultra susceptibles. Oui, bien sûr, mais ils ont, je crois, chacun des parts de. Comment dirais-je, d'affectivité qui les submerge. Alors on le sait bien pour Rousseau, qui, dans notre langage d'aujourd'hui, pète les plombs assez fréquemment quand il écrit à Voltaire la phrase « Monsieur, je ne vous aime point » dont j'ai fait le titre de ce roman, c'est soudain. Ça tombe, ça arrive comme un coup de tonnerre. Il fait des crises. Voilà, et il lui dit... Dans la suite de la lettre, vous allez interdire que je sois enterré dans ma patrie et je vais être en fosse commune, etc. Voltaire n'y comprend rien. Il dit, il est devenu fou. Ça sort comme ça. Il faut ça, lui quoi. Donner du bouillon. Bon, ça, c'est la première réaction de Voltaire. Il ne comprend pas pourquoi Rousseau est soudainement aussi violent envers lui. Mais je crois que Voltaire a aussi... On l'ignore, des moments de panique et d'émotion très graves lorsque Rousseau dévoile qu'il est l'auteur de ce pamphlet anti-chrétien, le Sermon des 50. Il devient fou pendant quelques jours. Mais quand tu es avec Émilie, il se tape la tête contre les murs, voilà, c'est quand même un signe. Il a des moments comme ça de... D'accord, des accès. Des accès de panique, des moments où il veut fuir, où il a peur d'être arrêté. Alors qu'on imagine, si vous voulez, un Voltaire beaucoup plus ironique, rationnel, serein, installé, calme, jouisseur, etc. Il y a une partie, je crois, sombre et un peu inquiète chez lui. Alors, une autre chose qui les réunit, et vraiment une chose très emblématique, c'est le fait qu'ils ont été tous les deux victimes de la censure, avec d'ailleurs des expériences même de voyages d'exil assez similaires, puisque l'un comme l'autre ont dû, bon, déjà quitter... Rousseau, on n'a pas dit, comme on a oublié de dire comment il avait quitté Montmorency, mais on pourra le préciser à cette occasion. Et ils ont eu les mêmes destinations un petit peu. Bon, Rousseau est allé en Suisse, c'était sa patrie, mais il était allé en Suisse là parce qu'il fallait qu'il fuie la France. Et il est allé en Angleterre aussi. Et Voltaire a fait la même chose. Alors l'exil, un petit peu. Alors l'exil. La censure et l'exil. Censure et l'exil, ben, ils ont effectivement en commun, quelle toute différence gardée, ils ont en commun d'avoir été en butte à la censure royale, à la censure religieuse, et d'avoir... Au mépris de classe aussi. Aussi, oui, bien sûr, et d'avoir toujours dû, d'une certaine manière, se battre pour leurs idées, leurs textes, et leur propre liberté, même physique. Pour Voltaire, ça a été successivement la Bastille dans sa jeunesse, ça a été l'exil à Londres, ça a été la nécessité de se réfugier à Genève, puis à Ferney. Et il a toujours peur, finalement, qu'il lui arrive des ennuis. Rousseau, il quitte Montmorency en 1762 parce que... après l'apparition d'Émile. Et voilà, l'Émile et le contrat social ont été condamnés. Il est décrété de prise de corps. Et donc, il arrive à partir. Il a été prévenu dans la nuit. Et il croise les huissiers... sur la route, qui viennent l'arrêter.
Ensuite, il se réfugie en Suisse, mais en Suisse, les Mille et le contrat social sont également condamnés, donc il va dans la partie allemande de la Suisse, ça ne se passe pas bien, et c'est comme ça qu'il finira, après un passage à Paris, par se retrouver à Londres. Donc ce sont des gens qui fuient et qui finalement se battent. Il y a cette solidarité, d'ailleurs il y a un point que l'on ignore souvent, Voltaire, quand il apprend que Rousseau est persécuté, il dit « mais qu'ils viennent, je vais... » Alors, vous me m'ôtez les mots de la bouche, et pourtant nous n'avons pas répété. C'est un des passages aussi qui m'a... Il est authentique, le passage. Absolument. Alors, il faut le lire parce que, vous voyez, on voit toujours un peu Rousseau, le gentil, qui pleure, Voltaire un peu plus, comme ça, distant. Et il est bouleversant, ce passage. Voilà exactement ce que dit Voltaire quand Rousseau est en fuite en Suisse. Voltaire, au contraire, avait les larmes aux yeux. Donc on a plus l'impression de Rousseau, là. « Qu'ils viennent, dit-il, qu'ils viennent. Je le logerai ici même, ou bien à Tournai, s'il préfère. Je le traiterai en ami, en frère, en fils. Il ne sera pas dit qu'un philosophe soit poursuivi, pourchassé et décrété sans que je lui offre ma maison pour asile. » Ça vaut largement la phrase apocryphe, là, vous savez, quand on dit « je ne suis pas d'accord avec vous », c'est autre chose, ça. Et ça, c'est une phrase authentique. Absolument. La scène est décrite par des témoins oculaires qui étaient là au moment... c'est pas une phrase de Voltaire, je l'ai reconstituée à partir des témoignages de la scène, mais il est sûr, si vous voulez, qu'il y a cette forme de solidarité entre eux, alors que Voltaire... Et c'est pour ça que les personnages sont à la fois... complexe et souvent plein de diversité. Ils sont, j'ai essayé qu'ils soient aussi sympathiques et repoussants l'un que l'autre pour des raisons différentes, mais avec des faces claires et des faces obscures. Là, on voit Voltaire qui a dit pique-pendre de Rousseau, qui le déteste absolument, lui offrir sa maison parce qu'il est bouleversé, pour le connaître de l'intérieur, par le fait qu'un philosophe soit persécuté et pourchassé par ses idées, et du coup, quelle que soit l'opposition d'idées entre eux, il lui dit il voudrait pouvoir le secourir. Alors, tout le monde sait que, un petit peu à la fin du 18e, début du 19e, Goethe, le grand auteur allemand, a dit que, faisant un bilan de Voltaire et Rousseau, a dit qu'avec Voltaire, c'était un monde qui finissait, et qu'avec Rousseau, c'était un monde qui commençait. Ça fait une belle phrase d'auteur, elle est connue, on la cite souvent, on la trouve. Partagez-vous cette opinion, ou alors même cette opinion a-t-elle changé de valeur à travers le temps? Et si on l'examine aujourd'hui, qu'en pensez-vous? Je trouve la phrase intéressante, elle est, comme tous les grands mots d'auteur, partiellement vraie, mais je ne suis pas d'accord en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'Ancien Régime chez Voltaire, et quelque chose du siècle de la modernité, de l'égalité et de l'éveil des républiques et des démocraties chez Rousseau, c'est incontestable. Mais je crois plutôt que ce qui s'est mis en place dans leur querelle, tout ce dont nous avons parlé, de la manière dont, pour des raisons de tempérament, des raisons d'époque, des raisons de relations, d'amitié, de conflits, presque d'accidents, ce qui s'est mis en place entre eux d'opposition est en même temps quelque chose d'extraordinairement profond et structurant et qui perdure dans nos divisions actuelles. Même si vous n'avez pas lu Voltaire, même si vous n'avez pas lu Rousseau, je crois qu'il y a aujourd'hui, dans nos clivages, dans nos querelles les plus vives, sur l'écologie, sur la finance, sur la mondialisation, les sur problèmes religieux, sur les questions religieuses, il y a des voltairiens Absolument. Et des rousseauistes sans le savoir. Tout à fait. Si vous êtes plutôt un ami du progrès, si vous pensez que les questions que la science pose, la science peut les résoudre, si vous pensez que le commerce assure la prospérité, alors vous êtes voltairien sans le savoir. Si au contraire vous choisissez la décroissance, la frugalité, l'écologie, que vous pensez que le progrès a plus d'inconvénients que d'avantages et que vous aimez par exemple les médecines douces et le respect de la nature avant les œuvres humaines, vous êtes rousseauiste même sans le savoir. Et du coup, ce qui m'a frappé en entrant dans l'histoire
de ces personnages et de leurs querelles au XVIIIe siècle, ça a été de voir combien... Notre société s'ordonne selon eux, voilà, sans qu'on en soit conscient. Bien sûr, sans qu'on en soit conscient. Bien évidemment, le XVIIIe siècle, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'électricité. Mais ça, c'est rien, ça, c'est des aspects matériels. Voilà. Mais les grandes familles d'esprit et d'analyse se mettent en place côté Voltaire et côté Rousseau et perdurent aujourd'hui dans nos querelles d'actualité. Alors une petite question anecdotique, parce que, bon, écoutez, là, dans cet échange extraordinaire que nous avons eu, je crois qu'on a déjà mis en avant plusieurs ben, vraiment extraordinairetés, étrangetés, bizarreries, choses amusantes de leur relation, mais ça ne s'arrête pas, il y en a encore une, et pour l'éternité, on peut imaginer, c'est que si on va visiter le Panthéon, on se dit, c'est des gens qui se sont détestés comme ça, bon, heureusement, dans la mort, on espère qu'ils sont chacun tranquilles. Bizarrerie, c'est qu'au Panthéon, leurs tombes se font vraiment face et il y a une petite supériorité pour l'un sur l'autre, l'inverse d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes surplombés par Rousseau, mais au Panthéon, c'est Voltaire qui se dresse au-dessus de la tombe de Rousseau et qui a toujours cet air que nous lui connaissons, qui ricane un petit peu. D'abord, comment se fait-il qu'ils soient tous les deux l'un en face de l'autre au Panthéon? Ça, c'est la Révolution française. Voltaire est arrivé en premier bien en sûr. 1780. Premier écrivain national. Et Rousseau, en 1793, a été panthéonisé. Et je pense que, si vous voulez, ce clivage dont on vient de parler, dont on a vu la mise en place et dont on voit comment il est toujours présent, il a été colmaté, en quelque sorte, voilé, d'abord par la Révolution française, ensuite par la Troisième République. Ah, vous pensez qu'on a voulu cacher un petit peu la dissension? Ah, oui. On a voulu au contraire dire, voilà, ils étaient unifiés. Bah, quand vous relisez la chanson de Gavroche, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Ils sont mis au même niveau. Voilà. Et sur les jeux de cartes, les images d'Épinal, l'iconographie de la Troisième République, et comme de la Révolution française, Voltaire et Rousseau sont les deux piliers de la République et de la Révolution. Donc il n'est pas question de faire ressortir leurs antagonismes. Donc leurs antagonismes, ils ont été poussés sous le tapis et très largement gommés, alors qu'ils étaient violents, comme on l'a vu au XVIIIe siècle, mais je crois qu'ils continuent encore aujourd'hui. Et donc leur panthéonisation était une manière de les rapprocher non seulement physiquement, mais presque idéologiquement. Est-ce qu'il y a un moyen, Roger Paul Droit, de réconcilier Voltaire et Rousseau? Je n'ai pas ce sentiment. Je pense qu'il y a entre eux des points communs, on l'a dit, qu'il y a des choses qui leur sont proches, mais il y a aussi ce clivage fondamental qui est finalement un rapport différent à la vie, à la science, à la connaissance, à la philosophie, aux politiques. Et je n'ai pas, pour ma part, de gêne avec l'idée que les dissensus sont supérieurs au consensus. Très bien. Écoutez, Roger Paul Droit, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de votre venue sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. De l'Essonne en hauteur. Je rappelle le titre de votre œuvre, donc « Monsieur, je ne vous aime point », maintenant on peut le dire, d'après une réponse de Rousseau à Voltaire, aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui est formidable parce que, comme je le disais, on peut le lire à plein de niveaux. On peut le lire comme un roman, une circulation dans le XVIIIe siècle. Évidemment, on peut aussi le lire avec toutes les idées que nécessairement véhiculent des personnages comme ça. Vous redonnez toute une matière à cette époque qui est une époque peut-être quand même beaucoup plus romanesque que la nôtre en dépit de tous nos progrès techniques. Nous remercions aussi la municipalité de Montmorency de nous avoir permis de tourner, c'est pour moi quelque chose de très émouvant, dans la maison de Rousseau. Et c'est ainsi que nous prenons congé de nos spectateurs en leur donnant rendez-vous au mois prochain pour un nouveau numéro de L'Essonne en hauteur.